a fusionné deux équipes sur deux catégories, donc deux équipes de Nice, deux clubs qui travaillaient séparément jusqu'à présent. Donc le fait qu'on étoffe le nombre, ça permet d'évoluer sur différents niveaux et proposer à chaque enfant le niveau adapté. Donc actuellement, sur la catégorie moins de 17, on compte une trentaine de licenciés, dont une quinzaine qui évoluent en élite. On en a 5 qui sont sur le pôle espoir de Nice et donc on leur propose le meilleur niveau de jeu sur un niveau régional. Et à côté de ça, on a aussi des petites qui viennent pour jouer en loisir, s'amuser avec leurs copines, et on peut également leur proposer un niveau de jeu en département. Moi, du moins, je connaissais quasiment toutes les filles qui nous ont rejoints en entente. Donc ça ne va pas te poser de problème et ça a l'air de bien se passer pour le moment. Après, on verra le premier match, on ne sait jamais comment ça peut se passer. Mais pour l'instant, aux entraînements, il n'y a pas eu encore, enfin, il n'y a rien eu de spécial. Donc je pense que ça se passe bien pour le moment. On a un objectif sur l'équipe élite moins de 17, clairement de finir sur le podium dans cette catégorie, sachant qu'on a, une bonne partie des joueuses qui ont joué sur le championnat moins de 16 mètres de l'année précédente, où elles ont fini quatrième et où c'était le championnat de meilleur niveau de cet âge-là. Donc voilà, et puis en ayant autant de joueuses sur le pôle espoir, on doit finir dans les premières.